Muy buenos días amigos de la skatosphère, est-ce que vous allez bien? Moi ça va au top, regardez, on est au skatepark, donc forcément ça va bien, on va se faire une petite session. Au programme de la journée, nuages, vent, pluie, désolé c'est plus une chaîne skateboardistique, c'est plutôt une chaîne météorologique. Tous les jours je vous parle de la pluie, et ouais c'est qu'il arrête pas de pleuvoir en ce moment. Mais bon, on arrive bientôt sur l'été, donc la météo va aller en s'améliorant. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait fait une session où on montait ce kicker en flip? Et à la fin de la session, j'avais essayé de faire le wheeling et grind là-bas dans le bol que j'ai pas réussi. Donc aujourd'hui, je vais réessayer ça. Je vais me faire un peu de wheeling aussi pour m'échauffer. Et grosso modo, ça va être une petite session assez chill. Allez, on va attaquer la session. Si je rentre le bottle flip first try, ça veut dire que je rentre le wheeling 250 first try. Tu peux le faire, tu peux le faire. Bon, bah peut-être au deuxième try. Hein. On croit en toi. Troisième try, s'il te plaît. Quatrième try. Cinquième. Sixième. Bon, bah j'ai 6 tries pour faire le wheeling 5-0. Je m'échauffe rapido sur la palette à wheeling et on voit si la bouteille avait raison. Cinquième try, si la bouteille a raison, c'est le prochain truc qui rentre. Madame, tu m'as dit 6, quand tu as 10. J'aurais dû essayer de dropper mais j'ai pas eu le courage. On m'aide plus, j'en suis à 20. Il était sketchy. Il était très sketchy. La bouteille m'a dit 6. Faut que je recompte, mais je pense que c'est au moins 30. Je ne jamais faire confiance à une bouteille. C'est d'en faire un peu plus propre. Génial lui, non? J'ai préféré. Ça use la prise d'élan. On est d'accord pour dire que le deuxième était un petit peu mieux? Au moins un petit peu, non? Je trouve que le 5-0 a mieux glissé sur le deuxième try et j'étais un peu plus content de celui-là. On n'a pas rempli certes les 6 tries du Bottle Flip Challenge, mais bon, on a pris une revanche sur une des anciennes vidéos. Maintenant qu'on a rempli nos obligations, eh bien je pense qu'on peut rouler tranquillement dans le parc. J'ai pris le Big Spin Flip Empira. J'avais dû le mettre plus jeune, mais je galère un peu. Ce que je fais en général, c'est Barrel Flip River. Mais là, il commence à aller un petit peu mieux, petit à petit, il faut que je l'améliore.
vous avez vu, ils sont largement améliorables. Mais bon, petit à petit. Et c'est bizarre parce que le bigger flip, donc le 3-6 flip revert, j'arrive beaucoup mieux. Certainement parce que j'arrive beaucoup mieux à faire le 3-6 flip que le big spin. Le big spin, j'en parle même pas. Mais 3-6 flip revert, je vais vous montrer qu'il passe beaucoup mieux. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ce cas, qui arrivent mieux le bigger flip que le big flip? Je suis sûr que je suis pas le seul. Hein. Je sais pas, dites-moi si vous êtes plutôt team big flip ou bigger flip. C'est le pire kick. C'est mi plan incliné, mi courbe. C'est pas trop ce que c'est. Et du coup, pour claquer le holly, trop bizarre. Et ce carb, il est tellement haut. Faut y aller pour le shooter lui. Hein. C'était moche. Allez, je garde celui-là, ça ira très bien. Bon les amis, fin de session, on a essayé de rouler un petit peu dans tout le parc, j'espère que vous aurez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, peut-être à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je le dis pas souvent, mais gros merci à vous tous qui suivez la chaîne, on est de plus en plus nombreux, c'est incroyable, grand merci à tous ceux qui commentent, qui partagent à chaque fois, merci mille fois, ça fait super plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, vous le savez, session skate, tutoriel ou autre. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.